Bonjour tout le monde, comment nous y est? Et nous voulons retourner sous événement ça pendant la Convention démocrate là. Et côté que tu as gagné, ça nous a relayé 5 New American Citizens côté au fait cérémonie pendant la Convention. En fait, les gens ont été surpris justement et en pile là-dedans. Ils n'ont pas au courant que ils ont broadcast. C'est lorsque les amis relayent, ils disent ouais, en TV. Donc c'était une surprise, yo pas vraiment connaît que yo t'apprend à utiliser yo justement pour présenter et Donald Trump tout d'un coup, ça n'a rien pour pro-immigrant. Et dans l'espace de quelques semaines, nous connaissons que vidéo Donald Trump prend pouvoir, lui interdit des monde qui sortent au Soudan pour entrer aux États-Unis et lui te mettait comme argument causé terroriste, lui te mettait travel ban sous des Muslim countries jusqu'à présent qui toujours en effet. Mais, m'a dit que ce passé a tout d'un coup, il était voulu justement peintirer Donald Trump comme un pro-immigrant. Donc, il a invité une Soudanaise et qui juste qualifié pour devenir US citizen et quatre autres dans la Maison Blanche et justement dans la cérémonie réélection campagne et au niveau de convention. Hein. Donc, ils voulaient utiliser volonté président tout d'un coup, pour raison politique, mettait-le comme pro-immigrant. Et côté que dans le discours, il dit que lui, il souhaitait bienvenue à tout le monde dans la société américaine. Donc, on dit que la décision, ça, c'est justement pour attirer. Et quelques mondes de couleur, quelques mondes de différentes nationalités. Mais qui est ce monde qui n'est pas au courant? Qui est ce monde qui n'est pas au courant des différentes politiques? Bon, en fait, pas me bien. Politique qui est menée en ville, fait USA est tellement coincée que je ne dis pas, en fait, nous pas sans savoir que octobre qui vient là, on va avoir besoin de plus que 1000 dollars américains. Plus, nous bien dit. Plus, ou pas besoin plus que 1000 dollars américains pour capable venir US citizen, capable venir un véritable chaise. Parce que 1000 dollars pour plusieurs monde, c'est pas petit cobli. L'homme de monde retire 1000 dollars, on sait le coup à bord ici. C'est pour un bagage qui est simple pour classe moyenne. So, ou qu'à comprendre qui j'en que l'Ibral vient un peu difficile pour monde justement arrivé et US citizen dans moment là et nous bien dit et en pile là dans dit et notamment gain deux filles ont dit c'était vraiment un choc une surprise et ça qui s'est passé hein? Donc il dit que le pas vraiment au courant de bagarre qui t'a pas fait là OK donc ça veut dire que ça yo tout simplement utilisé et position que vous avez dans l'État en parlant des républicains pour justement voyez des messages d'influence, des messages pour immigrants. Et maintenant, nous on a parlé avant tout que bien démocrate au niveau de House Homeland Comedia, et bien, ils ont demandé Office Special Counsel pour investiguer justement, investiguer. Action secrétaire Chad Wolf qui t'a participé parce que c'est pas l'État qui a fait là, comprenez bien. Présence Chad Wolf, secrétaire d'État qui t'a participé, qui t'a fait une cérémonie prestation de serment et ça l'a fait dans un moment là et que yo broadcast li dans convention républicaine. Yon bagay qui complètement interdit. Comprenez bien, il y a deux exceptions. Non, ça n'est les hatch à clac. Yo retire deux moun qui capable utiliser position yo enfin qui capable faire des actes pendant que yo président pendant que yo pouvoir c'est le président et le premier ministre mais tout l'autre moun yo c'est des deux moun qui a servi l'état yo pas qu'à utiliser position yo dans l'état pour faire campagne donc c'est ça que fait chambre député a dit yo mandé Office spécial conseil ça pour presser PC pour faire investigation sous Zach ça que Shadow of fait côté que à titre de un individu qui fait service dans l'État l'utiliser
espace-là pour justement faire avancer pour un parti politique. OK? So, et note, mettre sous ça, faut nous dire que le secrétaire Shadow, nous tout connaissons que gagné et des enquêtes qui fait sous lui qui montrent que j'ai accédé à poste ça, c'est complètement illégal parce que il y a des principes de hiérarchie en administration qui dit faut passer dans tel poste pour arriver dans tel poste. Principe yo montre que monsieur dame ça yo skip ou ensemble d'étapes qui pour ta fait pour ta gravi échelon ça. Donc vous va comprendre que yo enfant yo nan poste ça de manière illégale. Et au cours de cérémonie ça, Donald Trump dit bon nous qui t'avait expliqué que nous suivons la loi, nous obéissons la loi, nous apprenons l'histoire, nous. Donc, il fait comprendre que, eh bien, normalement, Mounsayo, justement, yo vini US citizen, donc, yo présenté Donald Trump dans le moment ça, il te voulait présenter comme un moun pro-immigrant. On a dit, monsieur, t'es pour un time off, pour un petit temps, vous comprenez, pour nuit là, ok? So, pour nuit là, monsieur de prend time off pour lui. Parce que tout le monde connaît que toute politique, c'est anti-immigrant. Donc, il te prend un petit time off, justement, pour lui et participer à cérémonie et prise de serment pour moun sa ou capable de venir US citizen. Donc, nous pensons que ça, c'est une volonté délibérée pour ta utiliser cérémonie comme nous. Ça me darait les yon, ou fait yon trap, vous comprenez? Yon piège. Hein? C'est yon piège, justement. Mais demandez, combien de monde cap prend dans ça? Combien de monde cap prend dans, justement, et on cérémonie de yon citoyen pour dire que l'a intégré différents monde dans la communauté? Hein? Nous pas penser que, vraiment, et des immigrants qui gagnent tout bon sens sur eux apprennent l'histoire ça. OK? Donc voilà, nous te vinn pote analyse événement ça pour vous et nous disons que son dossier cap continuer parce que secrétaire là en parlant de Shadow lui risque la gain des démêlés avec justement comité qui responsable pour Chat et hatch akla, parce qu'il y a des principes d'éthique. Négio pendant la cérémonie, plusieurs. Ça, c'est une, plusieurs. C'est pas un pays qui fait même pas là tout, quelque part. Donc, nous venons assister justement avec un nouveau standard dans la Convention républicaine. Ça. Un nouveau standard côté que des individus, des employés de l'État, ce n'est pas à titre privé, non? Vous comprenez bien? Donc, on individu à titre privé, ou pas utiliser ce qu'on fait dans l'État. Pourquoi on pas à titre privé ou aller? C'est pas... Et ça qu'a fait, vous comprenez bien? C'est. Là, on parle de cérémonie. Parce que nous voulons rappeler pour tout le monde, c'est important. Dans le cadre du processus US pour venir US citizen, il y a des gens qui oublient ça. Et on toujours dit ça, tout. Ou aller, ou faire tout démarche, ou fin passer test là. Vous toujours dit que. Ou fin passe test ou pour que jamais citizen. Justement, ces derniers actes à côté que pour lever mon lait, pour prêter serment, c'est là ça que officiellement ou citizen. Et ça fait toujours dit mon yo, lorsque ou fin passe test ou à la caillou, yo tout dou attention, pas clamer pour dire que ou US citizen. Tout autant que ou pas prêter serment. Voilà. Ça t'a voulu dire que Zach, ça, c'est un Zach au niveau, ça veut dire prestation de serment, li entrer justement dans l'étape pour moun minyo citizen. Son acte administratif. Donc, ça t'a voulu dire que les monsieur t'a fait Zach, ça, l'étape agi en parlant de Shadow en tant qu'employé de l'État, yon utilisé justement pour justement by booster à convention des républicains et y a gagné pour les monsieur pour dire, pour poser la question. Comment se fait-il qu'il a utilisé des ressources de l'État pour avancer un parti politique, un acte qui
justement complètement illégal. OK? Donc, nous devons te réflexion ça pour vous et comme toujours, nous devons te brancher les toutes dernières informations à partager avec vous. Bye bye tout le monde.